je suis tombé dans un cul. Ah non, c'est bon. Je roule sur les arbres. Ouais, je vais dans l'eau. Trop cool. Je suis bloqué. Wouhou. C'est bon. Nouvel emplacement. Comment ça, nouvel emplacement? Attends, les... c'est quoi ça, les Death Troopers? Il y a une quête, trouver les Death Troopers. Un événement. J'ai envie d'y aller, mais ça me fait faire tout le tour. Non. Ah ouais. Ah non. Ah ouais. Et le temps que je suis poursuivi, je peux pas faire de voyage rapide. Ça, c'est un peu la merde. Attention, on nous signale une fugitive se dirigeant vers votre emplacement. Éradiquez-la et sans se... Ah, je suis bloqué, je crois. Ça a marché. Nouvelle peinture du speeder. Mais les poteaux, je fais comment moi? Je me taille d'ici. Ça ira plus vite. Excusez-moi, chargez la partie. Il est quelle heure? Il est 4h44, ça vient de tôt. Voilà, nickel. Non! Non! Ah, du coup, mon truc de tuer 6 mecs avec un truc, ça fonctionne plus. Merde, bah ouais. Ça a été annulé vu que j'ai chargé la partie. Ah, je suis dégoûté. Non. Waouh. Attends mon ref, je dois aller où là? Et je dois aller où? Vipère. Ok, j'avais plus de quête, super. Grâce à tes mines, des indices sont disponibles dans le menu capacité. Capacité. C'est ça. Tac. C'est qui le mécano là déjà? Grâce à tes mines. Bah ouais, tes mines, c'est la mécano. Tes mines, c'est la mécano, non? Je sais plus. Ah non. Obtenir un hydra propulseur grâce à Témine, des indices sont disponibles dans la menu capacité. Le travail des geckos pour l'empire. Non mais je dois faire cette quête là. Ok, ça marche. Je me suis dit bah attends, je dois faire quoi là? C'est bon, je sais. Je sais. Ouais, c'est un monde ouvert, Léo. Il y a plusieurs planètes et c'est un monde ouvert. Franchement, moi qui aime pas qui est pas fan de la licence, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas fan. J'ai un mauvais souvenir quand j'étais petit, j'ai pas kiffé. Et du coup, c'est resté dans ma tête. Et quand je regardais un film ou un truc comme ça de Star Wars, ça me passait autour de la gorge. Et j'aimais pas trop. Mais maintenant, je pense que on va les faire. Même Jedi Fallen, il m'avait fait péter un pont, je sais pas pourquoi. Ouais, pareil, 1h05 ici. Mon ami. Mais c'est qui que je dois aller voir? C'est lui peut-être? Non? Les indices sont disponibles dans le menu capacité. Cible perdue. Retour à vos postes.
grâce à Témine. C'est qui Témine, putain? Zaz Boistou. Non. Ok. On voulait capacité Témine. Témine de la famille qui vit dans le village de Sachin. Le village de Sachin. Ça doit être ici. On est dans le village de Sachin, on est d'accord? Ah non, Mira. Qu'on sert de cette grotte et on n'a jamais eu de problème. Je pouvais pas savoir que la cascade allait déborder, et toi non plus. Et alors on fait quoi? Tout le putain est coincé là-haut. S'il en reste quelque chose. On n'a qu'à tirer un trait sur cette combine. Un peu bizarre. Donc attendez, il n'y a pas une quête dans le journal qui permet de ça? Refus, un marchand louche, Sachin. Comment je fais pour pouvoir... Ah bah voilà, je peux dézoomer alors. Tenir, hein? Mais ouais, mais attends. Réputation. Est-ce que tu peux mettre Virginie, si t'es là, 2h23 sur Discord? S'il te plaît. Et t'écris moto haut. Moto sur l'eau. T'inquiète, genre mon repère. Merci beaucoup. Capacité. On va sur la carte. Voilà. C'est bon. Exactement, merci beaucoup Virginie. En fait, c'est pour couper le moment où que je galère là, et là c'est bon, j'ai trouvé. Ça va, ND5? Je vais faire un tour. Compris. On dit de Mira quel est le joyau le plus... L'envoyer sur Discord, c'est ça? Accroche-toi. Merci beaucoup. Hein. Désolé hein, si je te dérange. I'm sorry, before Nicky Gret. Suivre ces Kowaki Arnix. Non. Mais non. Désolé, Dixie, pas maintenant. Accroche-toi bien. Salut le ref 93, j'espère que tu vas bien mon ami. J'espère que tu vas bien. Renolan, re mon poteau. Ah.
Ah, c'est la merdasse. Vous m'en voulez vraiment, en fait ? On passe par où, là ? Ouais, tout droit. C'est bien ça. Attends, hein, mon ref, j'ai vu ton texte, je vais répondre juste après, t'inquiète pas. Voilà. Je galère sur la foreuse, BG, je vais la jeter, je galère, je suis allé à la neige et on n'a pas la carte d'accès pour ouvrir le bunker, le là donc. Bah, y a un tuto normalement sur la chaîne pour les cartes d'accès, le ref 93, si jamais. Tu vas dans la playlist tuto Son of the Forest. Et une playlist The Forest ou Son of the Forest. Ça fait un moment que j'ai pas joué donc je pourrais pas t'expliquer comme ça sans savoir. Mais normalement j'ai fait une vidéo jeu complet et j'ai même fait des chapitres si je me trompe pas. Pour la carte d'accès, comment que j'ai fait pour les récupérer et tout. Sinon il y a des tutos. Mais j'ai fait deux fois la fin, j'ai fait le 1, le 2. Et j'ai fait le 1 jeu complet, donc c'est marrant, peut-être que tu le verras sur la vidéo jeu complet. J'ai même mis des chapitres dans la description. Et sinon il y a des tutos comment trouver les 4 magnétiques. Il y a tout un village caché dans la jungle. Pas de soucis, merci à toi mon pote d'être passé. Et bah, si jamais, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like si jamais le contenu te plaît. Et si t'as besoin dans d'autres jeux, ah bah ça change, n'hésite pas. Merci à toi. L'étrangère, viens par ici. N'oubliez pas les amis, surtout qu'on fait du multigaming, donc du coup on fait énormément de jeux de différents types, on n'est pas bloqué sur un type, hein, donc sachez-le. Famille de Témine, c'est peut-être ici, non? Est-ce que je peux vous aider? J'ai vu comment tu te déplaces. T'es pas mauvaise avec ton speeder, mais tu veux relever un vrai défi? Non, pas maintenant. Tu passes à côté d'une sacrée opportunité. Bonne nuit à toi Rick, merci à toi d'être passé mon pote, ça fait extrêmement plaisir. Donc oui, comme je disais, je fais du multigaming, donc de tout des du contenu sur tous les jeux différents, de toutes consoles différentes, de tout type et de toutes dates différentes. On fait jamais les mêmes jeux, jamais les mêmes styles, on varie pour tout le monde. Donc voilà. Là prochainement, je vais reprendre l'ombre du Mordor, Return to the Moria. L'ombre du Mordor, bon n'importe quoi. Lord of the Ring, Return to the Moria parce qu'ils ont fait une nouvelle campagne. Et il y a des autres jeux de survie qu'on va reprendre, hein, bien sûr. Genre Grounded, on est en train de faire la suite, etc. etc. Donc le lien a été mis, Virginie. Virginie, la meilleure modératrice au monde, elle a mis le petit lien pour toi, mon pote. T'as vu ça? Oh bah bah. Qui est le meilleur? Qui est la meilleure des modératrices ici? Qu'est-ce qu'on n'est pas content de l'avoir? S'il joue avec les abos, sauf qu'il faut être membre. Je joue avec mes abonnés, oui, mais il faut être membre minimum 4 mois. C'est pas que je fais le crevard, mais je suis obligé parce que j'ai joué avec mes abonnés à l'époque. Et je fais confiance à beaucoup de monde, je suis assez gentil, mais malheureusement, ben, je me suis plus fait avoir par plusieurs personnes qui disaient des grossièretés, des trucs qu'il fallait pas, etc., etc. Mais je suis un peu obligé, malheureusement. Désolé, hein, l'ami. Ça vaut le coup de jeter tes filets. Peut-être là. Une fois, j'ai sorti un astromec entier. Enfin, presque entier. Eh ben, je pensais pas qu'il restait des trucs dans ce tas de ferraille rouillée. Le vaisseau a été dépouillé il y a longtemps, mais des tas de choses finissent dans le lac et se coincent dans l'épave. Parfois, c'est mieux que d'attraper des poissons. Vieille épave de vaisseau. Donc du coup, on sait où on est. Mais là, par contre, la famille, elle est où, là? Enfin, hey, elle est où, la famille Adams, là? Vous m'aviez parlé de mon speeder et d'un défi. C'est pas pour les âmes. Défi, c'est mon deuxième prénom. Peut-être. Il y a une île sur... Qu'est-ce qu'il y a? Les locaux. Ah ouais, c'est juste pour une quête secondaire. Ok, super. Oh, peut-être là-bas. Et je la trouve pas, cette famille Adams, là. Vas-y, je vais aller voir au vaisseau, ils sont peut-être là-bas, en vrai. T'imagines, ils sont là. Oh, quel trou de balle que je suis. Je savais même pas que je pouvais faire ça.
J'ai mal à mon cou. Allez, viens regarder un peu. Hé, hey, t'es bien loin d'un marché. Personne ne trouve ce dont il a besoin dans un marché. Je m'appelle Shuma et je sais deux choses. J'ai visité plus de systèmes que toi. Et j'ai quelque chose qu'il te faut. Très bien, Shuma. Moi, c'est Kay. Fais voir. Ok. Donc, Shuma, talisman de l'œil, d'énergie, dépasseur énergie, matériaux de blaster. Non, j'ai rien. Mais j'ai rien du tout. Par contre, la famille, je la trouve pas, là. Il est pas à sa boutique non plus. Oui, c'est encore fourré. Putain, c'est n'importe quoi. J'étais les voir tout à l'heure, hein. Vous avez parlé de Thémine ? Je cherche justement Thémine Wexley. Je suis sa tante, Esmel. Et voici ma partenaire, Shiren. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Kay. J'ai besoin d'un module de speeder. Vous travaillez pour Surat ? Non. Alors pour qui ? Vous êtes avec les Pikes, je parie. J'ai une tête de Pike. Il me faut juste un mécano. Désolé, Kay. C'est un peu tendu par ici ces derniers temps. Thémine a encore disparu. Il est sûrement parti ferrailler. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et si c'était encore attiré des ennuis ? Je peux le chercher. C'est quoi le meilleur coin pour ferrailler ? Il y a une vieille décharge près du lac. Tu pourrais y jeter un œil. D'accord, j'irai, merci. Allons-y ! À la recherche du matériel. On les a enfin trouvés, bon sang ! Donc, ouais, 2.37, ouais, c'est bon. Réputation, journal, carte. C'est vers là, putain, ouais, c'est loin, mais attends, j'ai pas fait un truc pour me téléporter ici tout à l'heure. C'est où je suis tombé? Oh, c'est où je suis tombé la dernière fois? Comment ça? C'est où est-ce que je suis tombé? Oh la naque! Comment je passe là, moi? Ici, il y a un truc. Ok, il y a une route, en fait. Ah. Donc, je vais tout droit, tout droit, tout droit jusque là. Ouais. Je ne reçois pas mon exemplaire, je ne reçois que mon exemplaire que lundi. Je vais essayer de me casser de là. Pense à toi, mon pote. Tu vas pouvoir reposer tes petites papates. What? J'allais dire, il est où mon vaisseau? Ma moto, mon speeder. Non, il est bien. Franchement, moi je suis pas fan de la saga Star Wars. Mais ce jeu me donne envie de jouer à Star Wars. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Donc si vous aimez Star Wars, les amis, sachez que je vais tous les faire dans les jours qui suivent. Pas les jours qui suivent, mais dans les mois qui suivent. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui vont sortir. Il y a Chainsaw Lollipop, Ripop qui va arriver. On a Dead Rising, Remaster qui va arriver. Et on a pas mal de jeux à terminer, donc... tous les Assassin's Creed, tous les Far Cry, etc. vont arriver sur la chaîne, n'oubliez pas. Pas les vieux, hein, les principaux en fait. Les principaux Star Wars. Après, s'ils sont bien, pourquoi pas. Mais voilà.
Là, premièrement, je vais faire les Jedi. Après, les... Comment s'appelle ça là? Le pouvoir de la force. Pardon, excusez-moi, le pouvoir de la force 1 et 2. Putain, mais attends, ils m'ont encore dans leur ligne de mire, mais c'est une blague. Ça va, ça va. Comment ça, mon ref? What? Bon bah, heureusement que ça débug la moto, hein. Merci beaucoup. Bah ouais, tous les Star Wars, mais faut voir combien on a, hein. Si on a 50, ça va être compliqué de défaire les 50. Attends, Farik. Quelqu'un a trouvé Témine avant moi. C'est sérieux? Ouais, s'ils sont tous bien, je fais les tous, hein, même les Lego. Les Lego, de toute façon, j'ai envisagé de les faire. Oh bordel, hé! Hé, mon rêve! Faut mourir à un moment, hein. Écoute, si tu veux me braquer, les gars de Surat m'ont déjà dépouillé. Ça va, t'inquiète. Je suis une vieille amie de Giddick. Je m'appelle Kay. Giddick m'a jamais parlé de toi. Ouais, c'est normal. Mais il m'a dit que tu pourrais modder mon speeder. Oui. Ouais, ok, oui, bien sûr. J'ai toutes les pièces que tu veux. Aileron mag, capteur de rechange, bobine d'amplificateur. Et t'aurais un hydro-répulseur? Oh. Non. Tu viens de dire toutes les pièces que je veux, c'est pas ça? Bah, je pourrais te coller le répulseur maintenant, c'est pas un souci. Mais sans de bons étés en duracier, ça va se détacher d'ici un jour ou deux. Et les étés, tu les as pas? Plus depuis le passage des hommes de Surat. Ils ont emporté mes meilleures pièces sur leur île. Bon, écoute, pourquoi t'installes pas ce répulseur? De mon côté, je pense pouvoir récupérer les étés. La navette de Surat devrait être près du lac. Bonne chance, Kay. Excusez-moi, je parlais dans le vide comme un con. Donc oui, il y a pas mal de découvertes à faire pour répondre à ta question tardive, mais tu peux pas aller partout. Comme là, mettons, là, je suis en train d'avoir un améliorateur pour la moto, pas pour le speeder, histoire d'accéder à des zones qui sont pas accessibles. Genre là, il y a de l'eau, tu coules, et grâce à ça, tu vas pouvoir aller sur l'eau. Désolé, mais c'est pour te donner un exemple. Accroche-toi, Alex. Normalement, c'est nickel. Ça marche plutôt bien, pas vrai, Nix? Oh, c'est stylé! Nice! Salut Alex, j'espère que tu vas bien. N'oubliez pas les amis, le petit like, merci beaucoup. Il faut une meilleure vue. Objectif, les 25 likes ce soir. Vraiment, on est à 2h45 de live, on va jusqu'au 5h50. Les syndicats veulent ta tête. Disons que c'est à cause de mes recherches. J'ai inventé un nouveau type de droïde vipère pour l'Empire. Mais plus rapide. Et il peut chasser en meute. Sérieux? Pourquoi t'as créé ça? Je suis pas allé dans une académie des mondes du noyau comme tous les autres. J'ai dû faire mes preuves. Je l'ai fait. C'est un peu trop. J'ai le pouvoir de la force. Dans la nature et je suis la cible à abattre. Mais Giddick, j'ai un vaisseau, j'ai un boulot. On pourrait partir. C'est pas seulement les syndicats. Ça tue aussi des innocents. Je peux pas laisser ça comme ça. Bon, d'accord. Laisse-moi arranger mon speeder et on réglera ça ensemble. Merci, Kay. Cette épave est gigantesque.
Tu crois qu'il reste du matos à l'intérieur? Alors, le jeu Pouvoir de la Force se passe quasi en même temps que le premier Jedi, du coup, lors de ses pouvoirs de la Force, ensuite le Jedi après Battlefront. Ça marche. Donc, après celui-ci, je fais le Pouvoir de la Force 1, 2, après Jedi 1, 2, et après Battlefront 1, 2. Le restant... voilà la navette. Ouais, j'aime bien, Alex. J'aime bien. Franchement, j'ai jamais fait aucun Star Wars sur la chaîne, mais ça me donne envie de les faire. Franchement... Il est vraiment pas dégueu du tout. J'ai eu peur, hein, Merci Ubisoft Plus. Hein. Accroche-toi. C'est trop bien ça maintenant, trop stylé. Pour l'instant, c'est ma planète préférée, celle-là, Akima. C'est ça, hein? Akima Natata. Putain, je passe par où là, copain? C'était durci. Duracier. Ah. Moi, je le trouve terrible. Oh, il y a du genre. J'ai regardé quand ça se passe le pouvoir de la Force 1 et 2, normalement c'est le premier à faire. Le pouvoir de la Force, c'est le jeu 360. Ouais, c'est ça, mais il est sur PC. On expédie une cargaison maintenant, pendant le tribut. Fijikta! A toi de jouer, Onyx! Il y a eu un petit bug là quand même! Mensonge! Maintenant! C'est du mensonge, j'ai envie de te dire! Matata, il a dit Vegeta. Donc Farik, la navette s'éloigne, il faut que je la suive. Man. On ira plus vite en speeder. Spider-Man. Voilà vos copains. Allez, tu peux y aller. Juste un peu plus loin. Ça veut dire qu'on ne sera pas en temps. Et voilà le travail. Oh non. Une navette cargo vers le lac. Il y a l'ND. Tu sais où elle va? Je l'ai. Timide, un truc a lâché, ça a fait un gros bruit. Ça, c'est l'hydro-répulseur qui est sorti. Surtout, on ne va plus sur l'eau, donc je serai par là. Ah, je dois plus aller sur l'eau. Sinon, je tombe. Oh merde. Je suis presque à la navette. Ça ressemble à quoi tes étés en duracier? C'est à quoi ça ressemble un été normal déjà? Ouais. Bah c'est pareil mais en duracier. Hop. Ok, été en duracier. Oh wow. Et coucou. Oh,
Éliminer des ennemis à la suite lorsque quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Mon avis doivent être là les étangs d'acier. Récupère ce blaster. Même s'ils sont en hiver. Akimatata, Bijata, j'ai entendu, tu les feras prochainement, Takaichi. Tu crois que tu peux rentrer à Mira? Ouais, Sully. Pas de soucis, on se retrouve au quai des speeders. Pas très fort. J'ai déjà joué au Dragon Ball Z, je préfère les jeux que des... Je préfère les jeux que les... Comment dire? Que les... que la série. J'espère que les étés y sont encore. Ah là, allez. Je dois pas remettre de la santé. Si je tue 15 et 5 ennemis à la suite. Ok. J'espère que ce module de Spider vaut le coup. Sans me soigner. Crois-moi, ça vaut le coup. Si tu peux même pas te déplacer sur la planète, tu ne pourras rien faire contre Metroid Viper. C'est trop bien le système de défi là. J'aime bien ce délire là. Pourquoi je dois encore tuer 4 ennemis sans... sans mourir? C'est bien ici en moins? Ouais, c'est bien... c'est la bonne... c'est la bonne direction, faut juste pas que je vais dans l'eau. Trop bien quand t'es en speeder, en vrai, des moments quand tu fais des missions, c'est stylé. Au début, je vous jure, le jeu, j'ai douté continuer, hein. Mais le début, en vrai, il sert vraiment à bien comprendre le jeu. Et après, une fois que c'est bon, c'est vrai que le début a beaucoup d'infiltration, c'est très chiant. Oh putain. Témine, j'ai les pièces. Allez, Témine. Fini. C'est pas un balabala, mais il t'emmènera où tu veux. Joli travail. Eh, les hommes de Surat rigolent pas. Si tu dois tenir une boutique comme ça, tout seul... J'en ai pas peur de Surat. Je dis juste qu'avec ces syndicats, tu devrais faire attention. Ou au moins trouver des renforts. J'y penserai. Merci, Kai. Si jamais t'as besoin de réparation, tu sais où me trouver. Yeah, nice. Un impôt provisionnel en vous signalant votre contact impérial. Vipère maintenant, qu'est-ce qu'on a comme quête? La quête de Vipère. Le travail de Gedek pour l'Empire revient à hanter... Ok, ça marche, on va y aller. Revient le hanter. Un nouveau type de droïde Vipère sème la terreur dans le jungle Akiva. Kai et Gedek doivent infiltrer la base impériale et trouver l'avant-poste. Enfin, on verra bien là. Moi, je suis où, là? Moi, je suis là, hein. Ah non, je suis pas là. Je suis ici. Non, je suis pas ici, je sais pas. C'est un glo-golo-go-glo. Un golo-golo? Ngulu Kanté? Nouvelle capacité déverrouillée, insane! Tous les cours d'eau. Et ça, c'est. Les impériaux sur Akiva conservent les échantillons d'électrons. Ah, ok, ça marche. Gidik, j'ai réparé mon speeder. Agidik, Agulu Glou. Comment on fait pour que les droïdes vipères arrêtent de terroriser la pègre? On peut pas. Du moins pas tout seul. Mais j'ai des amis dans la jungle qui pourraient nous aider. Ils sont de quel genre, tes amis? Du genre fiable. Je t'envoie les coordonnées et je vais à la base impériale. Normalement, mes identifiants sont pas grillés. Je devrais m'en sortir seul. Ok. Comment ça va avec ton réparateur de droïdes? Bien. Très bien, même. Parfait. Si tu as quelque chose, je t'ai envoyé de quoi t'aider sur le Trailblazer. Merci, Jaylen. C'est noté.
Voilà. Merci Jaylin, c'est noté. Butaka Takashi 3, c'est celui qui avait sur Wii ça, non? Il y en avait qui était sur Wii. C'est l'un des seuls et que j'ai kiffé, ouais. Sinon, lui, j'ai kiffé, en fait, c'est Naruto. Bah, c'est plus quand il y a de l'aventure, en fait, que j'aime bien. Kakarot, je l'ai fait aussi. Kakarot, je l'ai fait. Beyond Good Evil, mon pote, il y a la version remastered en jeu complet sur la chaîne. Du genre fiable. Tu en jeu complet ou en plus en partie. Où est-ce qu'ils sont? On dirait que l'atterrissage a été difficile. Non, il y a un jeu complet, ouais. Non, sans blague. Attrape le bâton, Ixi. Ixi, rapporte le bâton, merde. Tout va bien. Là, c'est vrai, je peux pas. T'es temps. Est-ce que tout va bien? Sérieux, Giddick? T'es la dernière personne que je voyais travailler avec les rebelles. Tu devrais le remercier. Sans quoi, tu serais morte. Les droïdes vipères sont de plus en plus agressifs. Il faut qu'on lance notre assaut. Quel assaut? Tu infiltres la base, pendant que mon équipe dégage un chemin pour extraire l'objectif. Super plan. Sauf que la dernière fois que j'ai fait équipe avec des rebelles, j'ai eu une prime sur la tête. Merci, mais sans moi. Je t'avais dit qu'elle était pas fière. Kay, s'il te plaît. Pour que ça marche, on a besoin de toi et des rebelles. J'ai accepté de t'aider à corriger tes erreurs, pas de participer à la guerre de quelqu'un d'autre. Cette guerre concerne tout le monde. Écoute, Kay, oublie les rebelles. Beaucoup de gens vont souffrir à cause de ce que j'ai fait. Tu veux un réparateur de droïdes? C'est ça le marché. Faut que j'y aille. Me laisse pas tomber. J'espère que c'est vraiment du sérieux, votre plan. Je connais pas bien le milieu criminel, mais nous, on n'abandonne pas les nôtres. Vous savez pas ce que c'est de se faire abandonner. Exactement, ils savent rien, bande de noobs. On a canyon à l'ouest. En continuant dans cette direction, tu devrais finir par la trouver. Ça marche, j'arrive. Ça marche, j'arrive. Le mont, c'est là ça. C'est là ça. Donc, du coup, c'est où je dois aller? Dans le canyon à droite. Voilà. Et là je vais à gauche, vu que je peux aller dans l'eau maintenant.
Il est vraiment trop bien ce jeu. Ouais, franchement. Avatar, je vais vous le refaire. Hein. Je vous jure, je vais vous le refaire sur PC. Même au point de Legacy, j'ai envie de vous le refaire. Par contre, la chose, là, le mal fait, c'est normal. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi as-tu toujours ce jeton de casino sur toi? Après un délit, je ne t'imagine pas t'en servir pour placer un pari. Oh, c'est la dernière chose que ma mère m'a dit. J'aimerais bien le refaire parce que j'ai fait sur console, il était ultra bugué à sa sortie. Un pense bête. Quand tu es jeu Ubisoft. Faut pas oublier qu'au bout du compte, y'a que Nyx et moi. Je vois. Je n'ai pas d'autres questions. Ok. Mais... C'est bien ça. On ne déclenche pas d'alarme dans la base. On compte sur l'effet de surprise. Escadron typhon terminé. Escadron typhon. Non mais je rêve. Et ouais, j'allais dire quoi? Sur PC, il est beaucoup plus beau et beaucoup mieux. J'ai déjà des lives hein, sur le jeu au cas où, les amis. Ah putain, de l'infiltration fait chier. Oui, chef. Toutes les patrouilles sont déployées. Terminé. On passe à autre chose. Nyx, distraction. Tu crois qu'il nous remplacerait par des drones? Que quelqu'un dire ce truc? Qu'est-ce que t'es, toi? Voilà. Et divers, j'ai jamais fait le divers. Vraiment, les divas, j'ai jamais fait. Il y a plein de jeux que j'ai eu sur le Steam que j'ai jamais fait. Y'a personne ici ? Je peux aller là du coup. Nyx, garde-moi ça ouvert. Putain, tu sais, j'adore par contre. Toi, c'est un jeu d'infiltration, mais je sais que c'est un jeu du coup. Je sais ce qu'il faut faire et je m'habitue, tu vois. Mais. J'aimerais trop les refaire en vrai, les putain de sel. Putain, ouais, c'est une dinguerie ça. Sel, sucre, poivre aussi, non? Sel, sucre, poivre. N'importe quoi. Des calcopyrites. Des calcospirites. Premier scout. Giddick, c'est bon. Ok, suis le tunnel. Ouais, mais tu vois, Hitman, j'aime bien. Là où se trouve le réseau de défense de la base, il faut qu'on le désactive avant l'attaque. C'est des jeux d'infiltration qui sont bien payés, toi, t'es pas repéré pour rien. Bon, à votre officier. Y'a des méchants, Nyx? Périmètre de sécurité optimal, force en état d'alerte. Excellent. Allez, Nyxie, attaque. Si ces rebelles se montrent à nouveau, ils vont avoir une mauvaise surprise. Oh non. Accroche. Ah.
c'est ton air. On n'en parle plus. J'ai juste voulu ouvrir la porte, hein. Mon Kia! Attends, mais je peux tous me les faire. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. C'était censé être un déploiement de combat. Fais péter ce tonneau. Tirez cette chose-là! Oh, c'est pas bon. On va faire exploser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la récente que je pouvais tuer. Fais péter ce tonneau. Sois prudent. Vas-y, vas-y, Nikki, j'ai envie de tous les tuer là. Mortel! Vous avez vu, j'ai bien fait de faire des petites quêtes sur le côté. Les quêtes sont vraiment attractives dans le jeu, c'est dingue. C'est waouh! Il y a quelqu'un? Nix, le blaster. Il y a vraiment énormément de trucs pas mal en vrai. J'ai pas vu, tu peux recommencer s'il te plaît. Ouais, Hitman, j'aime bien. Pourquoi cette partie de la base a l'air si différente? Parce qu'elle est sous l'autorité du bureau de la sécurité impériale. Fais attention. Te laisse surtout pas attraper par ces gars. Détourne l'attention. Hé, hey, attrapez ce truc. Tu vois quelque chose? Dégagez une dame. Paf. Hitman, j'aime bien aussi Hitman. Il y a aussi Sniper Elite, pardon. Ça, c'est une dinguerie aussi, ça. Sniper Ghost Warrior, je l'avais fait il y a longtemps. Terrible aussi, ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Nix, distraction. Il distrait à travers un mur. J'adore. Oh! Deux objectifs, j'ai fait. Nix, le terminal. En fait, c'est pas du tout terminal. D'écoute, je crois. Tes amis, Giddick. Peu m'importe si les images sont mauvaises. Vous allez me trouver les rebelles qui ont détruit nos droïdes. Vas-y, Nix. Rasez tout le village s'il le faut.
On les désingue de vrai ouf. C'est vrai que Hitman, Splinter Cell, les jeux comme ça, par contre Metal Gear Solid, non merci quoi. Ça, j'arriverai jamais à m'y faire, hein. J'ai déjà essayé, wow, ça n'a rien à voir. Moi franchement, Hitman j'adore, Splinter Cell j'adore, parce que c'est bien foutu. Allez Nix, attaque. Désactiver les réseaux. Ne pas déclencher l'alarme. Ok. C'est bon. Ah. Parfait. J'ai déjà utilisé mes identifiants pour entrer. Tu devrais pouvoir me rejoindre. Retrouver Guidic. Allez, Guidic. Tu arrives, il va me trahir, lui, c'est sûr. Je sais pas pourquoi je sens mal. C'est la même espèce que l'autre, donc du coup j'ai l'impression qu'il va nous trahir. Toujours ne pas déclencher la... Après ce jeu, tu continues, c'est Pink Dog. Ouais. C'est Pink Dog, les mafias, etc. Qu'on reprend le rythme. On va essayer de tout finir avant, avant le 12, enfin le 9. Parce qu'il y a... Le 9 et le 12, il y a Dead Rising. C'est pas là. Il y a Dead Rising et Chainsaw Lollipop. C'est pas ici que je dois passer, ouais. C'est pas où je dois sortir là, je comprends pas. Ah, c'est par le. Ouais, ok, d'accord. J'y suis presque. T'es où? Oh dur, la physique de Lollipop Chainsaw, elle est que en mois d'octobre. Waouh. Pas l'histoire. En octobre, Silent Hill 2 remake, les amis. Ça va être. T'as quelque chose, Nix? Ça va être quelque chose. Bien, t'as réussi. Le droïde alpha est juste à côté. Et donc, on le fait sauter? Non, j'ai une meilleure idée. On va réinitialiser ses protocoles et le mettre du côté des rebelles. Ensuite, il convertira le reste des droïdes vipères. Ce truc doit avoir déjà 30 000 protocoles. Comment tu vas faire pour les effacer? Comme on a piraté les machines du casino de Cantobite. Attends, tu comptes reprogrammer un droïde de combat avec ton pic de jackpot? Ah, je l'appelle pic de liberté, maintenant. Il fait de nouvelles choses. Pardon, monsieur. Par ici. Je te suivrai quand ce sera sûr. Oh, monsieur. Qu'est-ce que tu vois? J'allais pas prendre le conteneur. Qu'est-ce que je vois? Je vais juste regarder les capacités, voir ce que j'ai à faire. Donc là, on a quoi? Remporter des courses de speeder 1 sur 3. Toucher les pilotes ennemis, un tir dans la tête. Ça, c'est pourquoi ça? Ça marche. 26 ennemis avec une seule montée d'adrénaline. Éliminer les Death Troopers à la suite. 3. C'est les. Ah oui! J'ai pouvoir faire deux trucs sur le même visage, le même truc. C'est cool ça. Enfin, deux cibles sur la même personne. Donc, ça, c'est pareil. C'est pareil. Il me manque que quoi? Injecteur, tricheur, LCD. Faites goûter différents repas à Nix. Je savais même pas que je pouvais mettre des repas à Nix, quoi, c'est quoi ça? Comment ça, mon ref? T'es même pas au courant? Fais bien le ménage dans le labo, personne doit nous voir. C'est le moment de les distraire, Nix. Oh, cette chose.
Dégage d'ici. Va t'en occuper, Nixie. Oh, je déteste ça. Go. J'ai que un truc de santé. Donc c'est cool. La voix est ok. J'arrive. J'ai pas vraiment des fiches. Donc on s'occupe de ce droïde, les syndicats te lâchent la grappe et tu viens rejoindre l'équipage. C'est ça? Et c'est fini. Je pense que c'est chose ça machin. Escadron Typhon, on est en place. Bien sûr. On va ouvrir une issue. Ramenez-nous ce droïde. Il faut que tu désactives ce champ de confinement, ok? Compris. Il est où? Ok, nickel. Un petit piratage. Pendant le piratage, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche s'il vous plaît, les amis. Si vous aimez le contenu, mettez un petit like. Si on peut atteindre les 20 likes ce soir, ce serait cool. Même les 25, ce serait un record sur les derniers lives en ce moment. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, c'est très important. Merci beaucoup. Dans la description, vous aurez tous mes liens. Et n'oubliez pas le petit instant gaming si vous faites un achat à mettre dans vos... Champ désactivé. Tes amis sont là. Je suis dans le système. Empêche les stormtroopers de m'attaquer. Okay. Ils ont des renforts. Yes. Augmente la santé maximale de Kay. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Mmh, elle est guide. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup de votre force. ND, je vais avoir besoin d'un peu de renfort. Où es-tu? Je suis dans une base impériale secrète, dans un canyon, dans la jungle. C'est une explosion, je sais pas. C'est la dernière fois qu'on reçoit une charge de contact. Bah, j'ai eu. Je suis là, mais je ne peux pas entrer. Attends, je vais ouvrir la porte. What? Ouvrir la porte à une D5, mais attends, comment? Ah, c'est là-bas. Ok, je me demandais où c'était. J'avais pas compris, peut-être il va y avoir une autre vague, c'est sûr. Attends, quoi? Émetteur de charge, NL, il m'en manque plus qu'un, il faut un émetteur et puis je suis tranquille. J'ai pas un sniper, je pense qu'il y aura des ennemis là-bas en face. À mon avis. Ok. Ah non, c'est lui. Eh, c'est des Death Troopers, ouais. Abu Dhabi ou à ton avis? Ça va? Je suis toujours debout. ND5. Tu me fais un peu peur, là. C'est rien. Ne restons pas là. On se fait sacrément canarder. On a besoin de ton droïde vipère. Il faut que quelqu'un reste avec moi pendant que j'efface toutes ces données. Je m'en occupe. Kay, emmène ce droïde vipère au hangar. Ok, le droïde vipère au hangar, vas-y, let's go. La porte est ouverte, c'est pas pour rien, je pense. Bah allez, viens là, Nikki.
Ah, ok. T'inquiète pas, j'ai verrouillé la porte. Va au hangar. Ok, il y a même pas besoin de moi en vrai le truc. Il y a même pas besoin de moi, c'est quoi ce... What? Pas mal, Giddick. Ça fonctionne. Il faut qu'elle ait une cinématique. Ah, ils sont chiants, eux. Ils vont boucher la vue. Oh, c'est une blague! Mais regardez! Le robot il m'a fait tomber! Et je pouvais pas tirer avec le bouclier, mais c'est une honte! Laissez-moi tranquille, je me fais embêter par mes bottes! Il n'en reste plus qu'un. Ok, toujours en vie. Voilà. T'es prêt? J'ai effacé tout ce que j'ai trouvé. Ils ne se serviront plus jamais de mes plans. Vous voulez vraiment pas rester? Un autre combat nous attend. Ouais, voilà, dans un manoir de milliardaires. Vous avez toute la puissance de feu nécessaire. Évitez simplement de lui tourner le dos, à lui. Dès que vous partirez, l'Empire lancera toutes ses ressources à votre poursuite. On leur échappera. S'il vous attrape, on s'est jamais vu. Le destin de la galaxie en dépend. Waouh, vous adorez vraiment brasser de l'air, hein? Nice, nice. Là, normalement, il nous reste 4 heures dans le jeu. Ça ferait droïde commando BX sur le visuel. C'est incroyable. Oh, attends, il y a un problème. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Mais non, c'est bon. N'oubliez pas de mettre le petit like, s'il vous plaît. On pourrait peut-être garder les analyses pour après, quand on aura échappé à l'Empire. Allez, tout le monde, on s'accroche. On va les défoncer, mesdames et messieurs. J'y suis
essayer de fuir un petit peu là. Chasseur TIE à proximité. Très bien. À défoncer. Aïe aïe aïe. N'importe quoi, ces complications, mesdames et messieurs. Oh dur. Ah, j'ai raté les raids, j'ai le seum. Ça aurait été tellement bon. Donc alors du coup, perceuse de coffre. Kay doit se rendre à Kijimi pour recruter une perceuse de coffre et recruter une perceuse de coffre. Attends, et une experte d'explosifs nommée Hank. Elle pourra être essentielle pour son braquage. Ça, je m'en fous. Je vais pas avoir de trucs avec les autres, moi. C'est-tu des quêtes secondaires, information d'experts. Donc là, ND pense être en mesure de trouver l'origine du message de Sikai. Parvient à rassembler davantage. Un joueur de Akiva pourrait enseigner quelques astuces de Kikai au sabak. Ouais, ça, on s'en fout du sabak. C'est des quêtes secondaires, information, on s'en fout. Et là, on a Kay doit battre plusieurs flambeurs pour se faire un nom. Non, bah allez, on va aller ici. Et là, on doit aller à Kijimi. On n'est jamais allé à Kijimi, les amis. On n'y est jamais allé à Kijimi. On va y aller. Préparation à l'hyperpropulsion. Aïe aïe. Donc là, il doit nous rester entre 4 et 5 heures. 6 heures grand max de jeu. Donc demain après-midi, je pense qu'on va live de bonne heure. Vers midi, histoire d'arriver à arrêter à 5 heures. Allons-y. Je ne serai pas présent à partir de 5h30, 6h. Alors... Kay a retrouvé et recruté son ancien partenaire Gidik, réparateur de droïdes, et l'a aidé ainsi que les rébellions à perturber un projet de droïde impérial particulièrement dangereux en pénétrant dans une base secrète impériale. Kay se rapproche un peu plus de l'objectif du braquage. Elle va bientôt pouvoir se débarrasser de sa marque de mort et empocher une fortune qui couvrira ses besoins et ceux de Nyx pour toute leur vie. Pantalon hors la loi. Oh. On a une tenue de hors la loi. Ouh. Alors c'est ça, Kijimi? À l'air froid et sombre. C'est le cadet de nos soucis. Le clan Ashiga règne sur le milieu criminel depuis des décennies. Mais là, est stylé ici, hein. De s'imposer. La reine Ashiga a juré de les exterminer. Eh ben, moi je dis, on met la main sur la perceuse de coffre avant que ça arrive. Mieux vaut passer rapidement la nébuleuse. Elle regorge de contrebandiers et de passeurs d'épices. Eh ben, je vais me fondre dans le décor, alors. Non. Les nouveaux ne font pas long feu sur Kijimi. Je vais parler à mes contacts sur place pour voir s'ils auraient du travail pour toi. Je peux me faire mes propres contacts. Tu peux l'essayer. Il est long le trajet là, non? Ah non, il était temps. Ouais, je l'ai coupé pour l'immersion. Ça, ça va, je laisse la cam, là, il n'y avait rien, il n'y avait que du dialogue et une ligne droite.
À quoi va ressembler cette île? Elle a l'air d'être stylée en vrai par contre. Oh, une île de neige. Ok, nickel. Ça, c'est stylé. I like it. Le jeu, il a crash. Ah non, hein. Il a crash Bandicoot. Hank est la meilleure perceuse de coffre de la bordure extérieure. Impossible de briser celui de Sliro sans elle. Qui plus est, il se trouve qu'elle doit une fortune au Ashiga. Elle devrait peut-être essayer de percer quelques coffres. On a un comité d'accueil. Un comité d'accueil? Fallait pas. J'y suis pour rien. Attention à toi, Kay. Jaylen? Kay, comment va ton ami Giddick? Il sera prêt pour le... A plus, ND5. Très bien. Ah là, nickel, excusez-moi, j'étais trop en mode stress que ça bug. Donc du coup, j'avais oublié de remettre ma cam, excusez-moi. Donc j'ai eu des trucs dans la caisse, c'est vrai, j'ai eu une tenue. Il y a quelques objets qui t'attendent, Kay. On dirait qu'on se fait des amis. Équipement. Voilà, et là on a quoi? Inflige plus de dégâts et régénère positivement la santé. Bon, elle est stylée. Oh, bah, bah. Mais j'ai pas de babiole en fait. Hey, pas mal. Hey, Giddick, faut que je te dise. J'étais surprise de te voir encore en uniforme quand je t'ai trouvé. Pourquoi? L'Empire me donnait 3 repas par jour et plein de jouets à bidouiller. Oh, il y a bien la partie où ils te traquent et t'abattent si tu essaies de partir. Mais à part ça, ça va. Contente de voir qu'il n'y a pas de rancune. Si ça te convient, Kay... J'aimerais autant ne pas parler de ce qui s'est passé sur Kanto. Ok. Ça va, toi, Clo? Tu sens quelque chose, Nixie? Il sent qu'il y a Nixie. On comprend pas ce qu'il veut, lui. Ah! Il y a un petit Kofio là-bas. De la laine de Inku Namatata. Salut, je suis Kaives. Vous devez être le cartel Ashiga, pas vrai? Nous sommes un clan. Votre vaisseau est un EML 850, dénomination Trailblazer, un vaisseau de contrebande. Oh, vous en avez entendu parler? Eh bah, je cherche quelqu'un. Elle s'appelle Hank. Que lui voulez-vous à cette personne? Eh bah, elle me doit de l'argent. Beaucoup, même. Je suis venu le récupérer. Vous mentez. Vous travaillez avec l'Aube Écarlate. Quoi? Non, je veux dire... si j'étais avec l'Aube, vous pensez que je débarquerais comme ça sur votre plateforme d'atterrissage? Mission du vaisseau terminée. Rien de particulier. Ça veut dire que je peux partir? Surtout que vous avez l'air d'avoir des espions de l'Aube Écarlate à trouver. Vous pouvez y aller. Mais ne nous mentez plus jamais. Oh, ouais. Je le ferai plus. Promis. Merci. Perceuse de coffre. ND5, on est bon pour l'instant. Mais, leur donne pas de raison d'immobiliser le vaisseau. Ce n'est pas ma première fois sur Kijimi. Ok, d'accord. Je crois que je vais faire un tour à la cantina, voir si quelqu'un a des infos sur Hank. Hank est une habituée du réfectoire de Domac. C'est tout près, dans le quartier Domac, de Domac, McDo. C'était le soleil noir, non? Si Chef Pikes te tuait. Et t'as le pouvoir, on va rigoler, regardez. Cette guerre des syndicats doit s'arrêter. Kark, je ne quitterai pas Kijimi avant. Qu'est-ce que t'as trouvé, Nyx?
Un petit creux, Nyx. Ah, vas-y. Tu veux partager? Je vais lui acheter 4 des repas différents. J'avais un défi pour ça. Tu le reprends de... Hey, je vais prendre une soupe de Duradan. L'eau écarlate. Sympa. Bordel, ça donne envie. Avec des bons verres. Toi d'abord. Tu manges même les larves. Un QTE. Oh non, c'était des... Oh. Bah, la manette, ce sera mieux. Le chaud, ça fait toujours du bien. Et le froid aussi. Il fallait attendre que ça fonde. Bouge pas, Nyx. Tire. Plus fort. Non, pas de QTE pour un ça dîner, quoi. Petit. Super. N'importe quoi. La perte de temps, en vrai. Tain, le pompage de durée de vie de jeu, c'est incroyable quand même. Eh, tu dois faire 7 repas, hein, c'est incroyable. Hein. C'est bon, t'as gagné. C'était trop bon. On trouve pas ça sur Kanto. Au revoir. Hé, hey, Nyx, doucement avec la glace la prochaine fois. On doit en faire combien? 3. Bah, gratte ton oignon, fût. Et j'ai pas en faire 3 maintenant. On va en faire 2 demain, peut-être. Un au début de live et un en fin de live. En fait, fais attention dans la cantina. Elle grouille de mercenaires. Mieux vaut éviter de se frotter à quelqu'un équipé d'un canon blaster. Bien sûr. Au pire, ils pourront peut-être m'aider avec toutes leurs armes. Alors voilà Kijimi City. On est loin de chez nous, pas vrai? Pas loin? Ouais. J'avoue, ils auraient pu juste laisser la cinématique et là, tout. Bah, c'est vrai que là, c'est un peu du boostage de durée de vie. Hein. Viens, Nyx. Ils ont peut-être quelque chose de bon ici. Le pire, c'est les gens qui vont faire les collectibles et tout. Ils vont péter un plomb. Ok, pause pour lire. Fermez bagages et attaquez la route. Cet endroit est devenu invivable depuis l'arrivée de l'Empire. Ça va aller, Nyxie. Les gens du coin sont tendus. C'est tout. Les gens du coin sont tendus. C'est tout. Dites, Hank est dans le coin? Hank? Elle vous doit des crédits à vous aussi? Bah, bonne chance. Quoi? Pourquoi ça? Ben, les Ashiga ont fini par la coincer. Elle travaille à l'usine pour rembourser plusieurs millions de crédits. Et vu son âge, avec une dette pareille, elle y sera jusqu'à sa mort. Ah, ça... ça m'arrange pas. D'ailleurs, si jamais elle sort, dites-lui qu'elle a une ardoise ici. Okay.
Super. MD5. Apparemment, Hank est retenu quelque part dans une usine à Shiga. Je vais devoir l'en faire sortir. S'ils t'attrapent, ils t'enfermeront toi aussi. Oh, t'as une meilleure idée, peut-être? Non. Commence par trouver le plan de l'usine. Pirate un terminal dans leur district et vois ce que tu peux apprendre. Regardez comme les phaseurs sont impatients de courir. D'accord, 220 mètres. Donc c'est où? C'est ici. Est-ce que je peux me TP plus proche? Apparemment, non. Apparemment, non. Ça, on l'a déjà vu.